plus la rouge là. Il n'y a personne qui fait de malin sur ce qu'on dit là-bas. Allez, fin de prestation à l'instant sur la tour numéro 1, sur la voie numéro 1 avec Yann Holmes, le seul Canadien de la distribution. Yann Holmes qui libère la voie pour accueillir après un Coréen. Et pas des moindres. Celui qui peut faire ici très très bonne figure, qui a réalisé de très très belles performances sur les deux premières manches et qui va forcément aussi donner le meilleur entre le star numéro 78 dans quelques secondes pour la Corée, c'est parfait. C'est beau. Non mais reculez par rapport à la barrière. C'est la même histoire que tout à l'heure. Vous n'avez pas besoin d'être collé à la barrière. C'est quoi? Un petit quoi? Un petit. Voilà le vainqueur du classement général de la Coupe du Monde 2011. Il est là devant vous. Ça se passe sur la voie numéro 1. Ne manquez pas cette ascension du Coréen Park Hee-young qui a réalisé sur le début de cette saison une très belle 3e place. En Corée, pour présent sur Sassé, il voudrait profiter bien sûr de cette 3e manche ici en France pour reprendre le leadership. C'est parti avec l'un des meilleurs grimpeurs du moment, maintenant sur la voie numéro 1. Vous voyez la rapidité, n'est pas encore dans les épreuves de vitesse, mais la rapidité avec laquelle il va gérer la glace, qui est la partie la plus facile. Vous l'aurez compris, hein, dès qu'on rentre sur la. Pour chacun des athlètes. Et bien, voilà, quelques secondes, il a fait fi de cette partie glace. Il va pouvoir attaquer maintenant sérieusement sur cette partie dry tubing. Il garde la rapidité, mais prend tout le temps nécessaire. La tête froide, c'est la première qualité, en tout cas pour un grimpeur. Ne pas s'empresser, ne pas essayer de trucs, la gestuelle est importante pour prendre le temps nécessaire pour trouver sa voie dans la voie. Et c'est ce que notre ami. Ça passe par-dessus les têtes. Bon, la trice, давай! Allez, это мило. Здесь не бьющийся, а вообще только этот и тот, да? Все этот и тот. Там еще перемена.